Bonjour. Bonjour. Mais François, c'est quoi cette barbe? Bah quoi? C'est pas possible, hein, c'est juste pas possible. Oh, pardon. Beaucoup mieux. Vous avez fait bon voyage? Ça a un peu coincé à la fin, mais ça va. C'est joli dans le coin. Mais entrez, installez-vous. Je vais nous chercher à boire. François, tu vas adorer. Je t'ai préparé le plat de notre enfance. Tu sais, avec les saucisses de l'oncle Georges. Mais fallait pas se donner cette peine. On a ramené nos propres saucisses. Parce qu'on mange pas de viande. Du coup, Thérèse, tes projets, ça avance? Tu vas voir. C'est magnifique. C'est... Tu te souviens du spectacle de papa et maman à Avignon? C'était quoi? C'était en 2006? Presque. 2007. Avec la troupe québécoise. Oui, c'était ceux avec qui on avait pu s'entraîner. Bah, ils tournent toujours. Je les ai contactés. Ils sont super motivés. On va construire quelque chose d'encore plus grand qu'en 2007. C'est une super nouvelle. T'as pensé à prévenir papa et maman? Ouais, bah ils sont sur le projet aussi. Enfin, maman est un peu fatiguée, mais elle a accepté de participer si c'est papa qui fait les portées. Et Charles, tu sais que depuis sa blessure... Il y a Pierre qui a accepté de s'occuper de la partie trapèze. Et il y a les Québécois qui reviennent de Los Angeles où ils ont appris des danses acrobatiques super intéressantes. La famille Hilaire est de retour sur scène. Écoute, on en reparle après. Tu sais, ça ne passionne pas vraiment ça. Oh non, je trouve ça très intéressant. C'est... On voit que vous adorez ça. Et toi sinon, Sarah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Théâtre? Danse? Oh moi, non, pas du tout, je travaille avec des animaux. Ah, le cirque? C'est bien. Non, je soigne des animaux. Ah, tu es vétérinaire? Et ça n'a pas été trop difficile de trouver un cabinet? Non, en fait, je suis bénévole dans un refuge. Bénévole? Mais tu travailles dans quel cabinet à côté? Non, mon travail au refuge me prend déjà tout mon temps. Ah mais tu devrais essayer. C'est très intéressant et ça fait un très bon travail. D'ailleurs, il faut que je te présente César. C'est là qu'il a adopté. Ah mais c'est quoi cette chose? Mais c'est un rat. Mais vous avez ramené un rat à ma table? Mais c'est dégueulasse. Mais non, c'est juste César, regarde comme il est mimi. Non, c'est pas Mimi et ça va dégager tout de suite. Ah, mais pas peur Thérèse, regarde, il est mignon comme tout. Il fait partie de la famille maintenant. Et puis il est propre, hein, et végétarien aussi. Ok, alors on va mettre les choses au clair. Ça mange pas chez moi. Ça, c'est une vraie saucisse. Et ça, c'est un vrai travail. Mais le refuge, c'est un vrai travail, ça me prend tout mon temps. Et tu comptais venir quand en répétition? Mais je viendrai pourquoi? Pour vous encourager. Mais pour répéter le spectacle. Thérèse et François Hilaire, acrobates sœurs et frères. C'est ce qu'on annonce depuis des années, tu vas pas faire une croix dessus. Mais je me pose des questions en ce moment, je sais pas trop ce que je veux faire. Où aller? Où aller? Mais c'est avec nous que tu dois aller. Tu es né pour ça, tu le sais. Sauter, grimper, nous élever, tutoyer les sommets. C'est ça notre voix. C'est ça ta voix. C'est ton destin. Suis ton instinct.